Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique. Je me nettoie le front sur Callisto Protocol. Ça va swinguer, je peux vous le dire. Plongez-vous dans le noir. Un petit truc à boire et à manger. On se retrouve pour la suite de notre folle aventure. Évidemment, 4K 60 FPS, vous savez que c'est toujours le meilleur à faire. On n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça soutient de ouf, chacal. Donc n'oublie pas, frérot. On a quelque chose à gauche, on a quelque chose tout droit. On a beaucoup de choses un peu partout. On a ceci à sauter, si je peux permettre. On a ceci à casser. Là, on peut monter. Donc je pense que là, c'est un secret. Passage secret, parce qu'il y avait une porte verrouillée qui va nous ramener à la porte verrouillée, à mon humble avis. Je commence à comprendre le level design là où les développeurs veulent en venir. Donc sur ça, ça va aller, je pense. Même si le jeu, très honnêtement, je me souviens avoir fait à l'époque Dead Space, je mourrais beaucoup moins quand même que Dead Space. Ils ont un peu dark-soulisé la chose, hein, si je peux me permettre. Et d'ailleurs, la porte qui est ouvrable, hop, le hall d'accès est juste ici. Ok, ouvrable apparemment que dans un sens, hein. Vous l'aurez compris. Donc, ok. On a quelque chose ici. Une forge, vraiment? Non? Qu'est-ce que c'est? On va faire le cœur, chacun? Ok. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Canon. Très bien. Des crédits. Ok. Inventaire plein. Oh. Par contre, c'est très bizarre ce qui s'est passé dans cette salle. C'est très 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 bizarre. Joli. Ok. Alors, bougez pas. Bougez pas parce que c'est très intéressant. On va déjà avoir des choix à faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre de côté? En vrai, on peut mettre les 4 cartouches de pompe. Je pense pas que ça soit ultra nécessaire. Histoire au moins de prendre ceci, hein, tout simplement, qui est en parfait état. Il faut vraiment prendre les trucs à revendre. Parce qu'à mon avis, ça vaut le coup. Et là, on a quoi? Charge énergétique. Des munitions. Bon, bah, c'était pas si mal, les gars. Hein. C'est un truc à revendre et quelques petits crédits. C'est une bonne pièce bonus. C'est une bonne pièce bonus. Les amis, j'espère que cette aventure vous plaît toujours autant. Je rappelle que c'est par l'ancienne équipe qui s'occupait de Dead Space. Ce n'est pas un triple A, c'est tout simplement un jeu, un double A, mais c'est pas un jeu à très très gros budget. Donc c'est pour ça que ça explique que c'est pas le jeu le plus beau graphiquement, qu'il y a des baisses de framerate, qu'il y avait des problèmes sur la synchronisation labiale. Tous les moyens n'ont pas été mis. Néanmoins, soyons totalement francs, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, et quand ça a de la gueule, bah écoutez, moi ça me plaît. Et surtout le système d'esquive, je trouve vraiment cool. Ouais, ouais, mais alors attendez. Je vais aller par ici. Ok. Ça, ça sent pas bon, ça. Voilà. Bon, je suis en... Ok. Ok, un peu de santé pour les braves. Des crédits. Encore des crédits. Qu'est-ce que c'est que ça? Niveau crédit, c'est pas foufou. Ok. Ça, je préfère les éclater. Au cas où ça se réveille. Alors attendez, je suis pas serein parce qu'on sait qu'il y a un truc dans l'eau. Il y a une musique à suspense. Et je n'aime pas le suspense. Ah! Ok. Les gars, va y avoir un bail. Va y avoir un bail, je suis pas serein. On y est presque. Ok, je croyais que ça enlevait l'autre derrière. Ouais, je suis moyen serein là. Hein. Je pense que ça se tend. Ça se tend et ça s'entend. Ok. Très bien. Ok. Alors, nouvelle pièce.
Donc à droite, je suppose que j'ai revu une porte juste à droite. Level designment parlant, si on va à droite, ça doit être une pièce secrète. Parce que ça nous ramène en arrière. Oh putain, une forge. Oh, yes, let's go. Alors, attendez. Vendre. On vend ça. Voilà. On vend évidemment ceci. On vend évidemment ceci. Et on peut acheter, on peut se faire un petit plaisir. Balle explosive. Ajoute un module de tir alternatif qui tire des munitions explosives. Les projectiles sont réglés pour exploser peu de temps après l'impact. Ça coûte 1800, frérot. Hein. Donc ça commence à coûter un peu cher, mine de rien. Des munitions pour... Ok, ça c'est pour acheter des munes. Par contre, active. D'accord, 900. 900. 900. Et écoutez, je peux rien améliorer de fou, là. Hein. Augmente la force de lancer en supprimant les sécurités. La cible peut être blessée à l'impact. Augmente le taux de recharge. C'est bien, ça. Let's go. On va améliorer le gant, en fait. On va améliorer le gant. Ça me paraît... ça me paraît le meilleur des trucs à faire dans ce genre de jeu, c'est d'améliorer tous les débuts d'arbres. Combien ça coûte? Ça coûte 900 aussi, très bien. Ah, ils sont pas fêchés sur les améliorations. Hein. La première c'est 300, après c'est 900 et 1800, ça dégage. Ok, merci, au revoir. Donc normalement, un petit peu plus puissant. Et là j'ai quasi plus de thunes, donc ça sert plus à rien. Ça, on a ça 400. Modifie le puits du chargeur pour accepter des chargeurs de grande capacité. Yes, très propre ça. Très très propre ça. Ok. Ah ! Mais merde ! Ok. Je me suis fait casser la gueule gratuitement là. Putain, je me suis fait détruire la gueule. Ok. C'est bon ? Ok. Ça, faut pas que j'hésite à... Soit... à utiliser mes munes. Quelle angoisse. Peut-être une manière de faire diversion, ce merdier là, non? J'ai peur. Ok, le truc dans l'eau là, j'aime pas. Hein. Waouh! Ok. Très bien ça, j'aime bien là ce qu'on vient. Oh putain, mais attendez, il y avait des munitions derrière, j'aurais dû aller les chercher. J'aurais totalement dû aller les chercher en vrai. Et on a un soin aussi, donc c'est pas dégueu. Ok. Ah, j'ai flemme de faire demi-tour, pour être honnête avec vous. Pour quelques munes, avec toi, je ferai n'importe quoi. Quelques munes, avec toi. Ok. Ok, let's go. Là, c'est sûr. Esquive. Vache, il met une belle calotte. Ok. Lui, il met des 12 calottes. Ceci est très embêtant. Ceci est très, très, très embêtant. Aïe, 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 aïe. Ok. J'ai dû peut-être ramasser ça avant. On est sous l'eau, là? Il a l'air tout seul, il est pas mal. Ok. Très bien. Bah, dégueulasse. Ça m'a pas l'air dégueulasse ce qui se passe. Ok. Alors, check munitions, on va utiliser un petit peu le
fusil à pumps. Ok. Ok. Pour un flirt avec toi. Il y a un truc là-haut, très bien. Oh, on peut aller checker en vrai. Ça peut être pas mal. Rien à mort de quoi. Pour un flirt. Bon, je suppose qu'il faut le prendre. Bon, ça serait pas là. Et donc ça nous plonge dans le noir, c'est évident. C'est embêtant. Avec toi. Ok. Non. Et non, mais j'ai esquivé. Poil sur les filles. Ah, Barracuda! Ok, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ça sent la merde, ça. Hein. Les gars, j'ai un truc explosif juste derrière. Je vous le dis, j'ai un truc. I have a explosive truc juste derrière. Donc je pense qu'un ennemi va attaquer. Je connais beaucoup trop le jeu. Voilà, c'était évident. Ok, on va plus faire le fou. On va reprendre l'autre pistolet. Ok. C'était tellement évident. Hein. Que vous dire. Oh, 90 crédits. C'est insane. Et des soins rapides, c'est insane, mais encore plus. Gros soins. Alors attendez. Attendez. Je préfère des soins plus. J'avoue, j'utilise pas trop les gants. Ça me botte pas trop. Voilà, je le dis. Donc, c'est pas grave. Ok. Je suis pas fan des gants. Mais je vous l'avais dit, hein, c'était obligatoire hein, ce petit piège hein, des familles. Ça a été préparé avec amour. Oh putain. Wesh. Ok, viens par là, bibiche. Merci, au revoir. Ok. Vous avez vu, il se protège la gueule, hein. Terrible. Ok. Pièce suivante. Oh la vache. J'aime beaucoup le gameplay. Vraiment, chapeau. J'aime beaucoup le gameplay. J'aime bien. Ok. Ça, c'est des vitres blindées, je reconnais. Bien, grosse porte. Qui dit grosse porte dit peut-être un peu trop facile. Et porte verrouillée ici même. Ça sent je sais pas trop. Soit je passe à côté d'un truc de ouf derrière. Ok. C'est très bizarre. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Contrôle des zones, c'est là où je dois aller, non? Numéro 6. Qu'est-ce que c'est que ce verre? Oh! Prix 21, je pense avoir trouvé un moyen d'atteindre le dôme. Va falloir vider le réservoir. Ouais, puis il faudra grimper à l'échelle pour atteindre la trappe. Elias, t'as fini? Oui, monsieur, juste un instant. Ok.
Mais faut d'abord que je chope le code de la consolation. Obtenir le code. Je devrais chercher ce garde. Attends, c'est moi ou il y a un truc totalement... Comment dire ? Il y a un truc totalement illogique dans le level design, là, je comprends pas. Déjà, ça, on ouvre. Superbe. On s'est remis full. Ça, on prend. D'accord. Là, il y a une porte qui descend. Et c'est verrouillé. Superbe. Là, on a un foyer. Et derrière, on avait un truc, mais c'est censé passer à cet endroit-là, ça que... Si je puis me permettre, que je trouve très bizarre. Et là, on peut ouvrir un truc. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Accès refusé. Donc, faudra revenir ici de toute évidence. Là, on a quoi ? Ok. Bon, bah écoutez. Moi, c'est là-bas que ça m'interpelle. Le hall de stockage, c'est forcément un bonus, non ? Je pense que c'est un bonus, j'ai dû casser ce truc à gauche, là. Je pense que là, on est face à une pièce bonus. I think. J'ai peut-être tort, là. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Il y a un truc qui était censé me faire peur. Ok. Il y a un truc qui était censé me faire peur. Ah. Oh le merdier, putain de merde. Ok. Très bien. De toute façon, il faudra revenir derrière, donc à la limite, je fouillerai les autres chemins plus tard. Ok. C'est un merdier pas possible. Je croyais que ça avait déverrouillé derrière. Bon, ça me semblait logique. Quoi ? Très bien. Yeah. Cellule énergétique, superbe. Bon alors attendez. Canon. Cellule. Ça va, ils sont pas radins, hein. Pourtant on est en mode de difficulté normale. Mais c'est pas des rats. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sais pas mon ref. Là sérieusement. Ah. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses et c'est très étrange. Ah. Jay Moonbell. Ok. Oh la vache. On s'aventure dans un truc, c'est très bizarre. Adams, si tu reçois ça, je me dirige vers le dôme. Ils ont émis l'ordre d'évacuation. J'ai trouvé Kaylin, mais j'ai dû l'abandonner. Elle était... catatonique et dans une sorte de cocon. Je vais essayer de contacter Mother. Peut-être qu'elle peut encore nous sauver. Et si jamais tu trouves ça, une seule chose à faire, fiche le camp. Ok. Ah! Bah mince alors. Attends. Ouais, voilà, on sait jamais les gars. C'est bon, moi j'ai eu ma dose de coquelicot là, si je puis me permettre. Ok. Allez, beaucoup de crédits s'il vous plaît. Joli. 50 crédits, let's go. Ok. Bon, il est temps de sacrifier quelque chose de l'inventaire. Bah en vrai, on va sacrifier un soin. On va sacrifier totalement un soin. Étant donné que mon niveau est beaucoup trop strong. La vache. C'est verrouillé. Pardon. Ah.
Je parle pas beaucoup, moi, vous savez que je suis très peu serein dans ces trucs-là. C'est très bizarre. Let's go. Ok. Très bien. En vrai de vrai. Oh non, je peux plus. Oh non, les bâtards. Ah, les malins. On peut plus retourner en arrière une fois que c'est fait. C'est très malin de votre part, les gars. Ok, on bouge. On pouvait plus retourner en arrière, d'accord, ok. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que sinon, en vrai, bah, je les tuais et je retournais en arrière, récupérer les munitions, je suis pas teubé. Mais ça aurait été effectivement peut-être un peu trop facile à leur goût, à mon humble avis. Ok. Très bien. Je reste un monstre. Je reste un monstre parce que mon pote, ça, personne n'avait vu arriver. Ok. J'espère qu'il y aura de quoi améliorer son... Comment on appelle ça ? Son merdier là. Son sac. Ok, un foyer. Ok. Très bien. Alors attendez. Beaucoup trop de trucs. Excusez-moi du peu. Beaucoup trop de trucs. Passer une journée unie. Allez, ça dégage. Ça dégage. Voilà. Ça, on prend. Rien à péter. Ok, ça, on prend. Rien à péter. On prend des crédits. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Mais là, ça sert à rien. Je suis full. Bah, en vrai de vrai, regardez. Je suis désolé, hein. Mais je pense qu'on va juste être malin. Hop. Ça dégage. Rien à péter aussi. Ok. Ensuite, on va... augmenter les dégâts de la surcharge avec les régulateurs d'énergie. On risque de prendre de l'assaillant. On va juste améliorer ça en vrai. Hein. Voilà. Hein. Plus de mun, hein. Rien à péter. Hein. Ça me plaît. Hein. J'aime bien. Et on va récupérer les soins derrière et puis on est refoulé. Nickel. Oh, il y a 4 maintenant. Incroyable. Incroyable. Alors. Hop, on va reload. Superbe. Quoi? Ok, let's go. On reprend encore les soins. Superbe. Allez, on va aller checker là-haut. Comme on dit, vaut mieux checker là-haut que checker l'O'Neill. Bon, la tête là, si ça se réveille comme la momie, pour ceux qui ont vu le film et qu'on la rêve. Mais j'aurais pas confiance, j'aurais tiré dedans. Ah. Ah. Shoot, tentacle. Tentacle. Tentacule exposé par une... Ok, merci, au revoir. Allez, bon appétit. Superbe. Superbe, superbe. Let's go. Bon. Et on va prendre ça. Ok. Les tentacules. Bon. Je sais pas encore comment les battre sans me faire arracher la gueule. Les tentacules exposés vous avertissent que l'ennemi est sur le point de muter en une forme plus puissante. Les ennemis mutés ont plus de santé et leurs attaques sont plus puissantes. Tirez sur les tentacules exposés pour rapidement tuer l'ennemi.
piétiner les ennemis au sol pour les empêcher de muter davantage. Mais frérot, toujours plus, les gars. Non, mais vraiment. Ok. C'est bon, j'ai ce qu'il faut, je pense. Ok. James Reese, très très bien. Eh ben écoutez, on va voir ce qu'il a à dire, le frérot James. Oh. Écoutez, si vous entendez ce message, tirez sur les tentacules ouglins. Essayez de les frapper. C'est le seul moyen. Et sinon, ils deviennent juste plus grands, plus forts. Je peux les entendre. Ils approchent. Ils m'auront pas, ces enfoirés. Je vais pas finir comme ça. Ok. Très très bien. Bah pourtant tu... Si je puis me permettre, tu as fini comme ça? Wow. Ça veut dire que là on va se taper que des mecs qui peuvent muter, hein. Ça va être terrible. Hein. Raison de télécat, mon ref, là. Et là, il y a quoi? Ok. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On va lâcher ça. On va faire des allers-retours s'il faut. Hein. On va faire des allers-retours s'il faut. Rien à foutre. Ok. En vrai, il y a des sous en plus. Allez. Je revends un truc de soins et je reprends les soins en plus. Parce qu'on est beaucoup trop chaud de toute façon sur le jeu. Très bien. Allez, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Let's go. Ah, attendez. Non, niveau thune, on a combien? On va peut-être économiser, ouais. 900, c'est bien, on s'est bien refait, hein. On s'est bien refait, je suis pas peu fier, en vrai, hein. Mes deux soins, je pense que ça suffit, je suis beaucoup trop chaud. Ok. Ça manque un peu d'énigmes, vous voyez ce que je veux dire? Genre des codes, des coffres forts un peu égarés. Par contre, l'ambiance me rappelle énormément Doom 3, exactement, pour ceux qui ont joué à l'époque. C'était assez ouf. D'accord, en fait, les deux portes se joignent ici. Ok, superbe. Ok, allez, viens. La vache, quel enfer, l'angoisse. T'as tellement peu de temps pour tirer dedans. Oh là là, crotte. Wesh alors. Ok. Bon, let's go, on se casse. On s'en va de cet enfer. T'as tellement peu de temps pour réagir, tellement peu. C'est dur! Cycle de purge, initié. C'est parti. Frérot? Genre, garde une arme sur toi, non? Cycle de purge, en cours. Ah! Qu'est-ce que. Oh putain. Attention, anomalie détectée. Oh la vache. Attention,
Attends, pardon, il est où? Il est où le soin? Oh non, ça a lâché un soin, c'est parti où? Je vais me faire voler un soin, je crois. Je termine. Arme d'accès ouverte. Activez le contrôle des échelles. Ok, je crois que je viens de me faire péter un soin, c'est pas grave. Ni qu'on fera 100. Et ça rampe et tout, le bestiaire commence à devenir un peu terrible, hein. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Le nage de l'eau terminé. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.